récent, publié dans le prestigieux British Medical Journal, a fait sensation dans le monde entier. Nous n'avons trouvé aucune preuve que ces médicaments réduisaient les risques de graves complications ou d'hospitalisation. Et nous n'avons trouvé aucun bienfait pour les enfants asthmatiques, connus comme patients à risque. En revanche, nous avons décelé des effets secondaires. Ainsi, un enfant sur 20 qui prendra ce médicament se sentira mal et vomira. Et cela pourrait contribuer à sa déshydratation. Dans le monde entier pourtant, on prescrit du Tamiflu aux adultes comme aux enfants. Au début, chacun y avait même droit à la moindre suspicion. Mais pourquoi les gouvernements commandent et recommandent-ils un médicament aussi controversé? Pourquoi n'a-t-on pas davantage étudié ses effets au préalable? C'est étonnant que personne d'autre ne l'ait fait avant nous. Égoïstement, nous redoutions que d'autres nous précèdent. Nous avons travaillé d'arrache-pied pour publier nos résultats au plus vite, sans négliger leur qualité scientifique. N'importe qui d'autre aurait pu faire cette recherche. Toutes les études que nous avons utilisées étaient disponibles gratuitement sur Internet, à l'exception d'une pour laquelle nous avons dû contacter le fabricant. Les chercheurs d'Oxford ne sont pas les seuls à douter de l'utilité du médicament. Au Japon, des rapports publiés dès 2005 révèlent que des adolescents se seraient défenestrés après avoir pris du Tamiflu. Le ministère japonais a constaté qu'il n'existait pas de lien évident entre la prise de Tamiflu et les troubles psychiques. Il a néanmoins déconseillé sa prescription aux adolescents. En Europe aussi, depuis 2007, la notice d'utilisation doit obligatoirement mettre en garde contre les effets secondaires possibles. Crampes, troubles du comportement et de la conscience, hallucinations, délires et blessures dues à des accidents. Des morts au Japon, des effets secondaires et des doutes quant aux bienfaits du Tamiflu. Une bien mauvaise publicité pour une entreprise gérée dans un souci de rentabilité. Si mauvaise qu'en septembre 2009, Roche passe à l'offensive. Le laboratoire convie des journalistes du monde entier à une conférence de presse. À la tribune, deux hauts responsables du groupe et un médecin venu du Canada, le docteur Anand Kumar. Ce dernier commence par expliquer ce qui ne va manifestement pas de soi, ni pour lui, ni pour son sponsor. Je n'ai pas d'action chez Roche. Je ne fais partie d'aucune instance consultative. Je ne suis pas payé pour être là. Mais l'une de mes études à l'université est financée par Roche. C'est OK pour vous? À vous de décider si vous me croyez ou non. Puis c'est l'entrée en matière, avec une invocation incantatoire de la peur de la maladie. Le docteur Kumar décrit concrètement le niveau de gravité qu'elle peut atteindre. Ces gens sont probablement les plus malades que j'ai jamais rencontrés. Puis David Reddy, le directeur de la cellule pandémie de Roche, explique qu'aucun des effets secondaires qui ont pu être observés n'est lié au Tamiflu. Pour lui, il s'agit tout simplement de symptômes de la grippe. La grippe A était une maladie vraiment inexplorée jusqu'à l'arrivée des antiviraux sur le marché. C'est pour cela que l'on n'en comprenait pas bien les symptômes. Désormais, nous avons un médicament très sûr et une maladie avec des caractéristiques très clairement reconnaissables. Mais certains symptômes, c'est vrai, sont plus rares et difficiles à déceler. Grâce à l'évolution des médicaments, nous commençons à mieux comprendre la grippe A. Est-ce bien le cas? Ou les scientifiques pensent-ils plutôt aux bénéfices qu'ils empocheront en tenant de tels propos? Quant aux conclusions alarmantes du professeur d'Oxford pour qui le Tamiflu est plus dommageable que profitable pour les enfants, d'après Roche, les données analysées étaient insuffisantes. Les chercheurs avaient pourtant contacté le groupe pour obtenir toutes les données. Ces gens ne disposaient pas de toutes les données que nous avons fournies à l'Union européenne pour obtenir notre licence. Ces données montrent qu'un des deux enfants atteints de la grippe A, qui n'avait pas eu de Tamiflu, a eu des effets indésirables lui aussi. Et ces effets étaient quasi identiques dans les deux groupes. Mais jusqu'où les affirmations du représentant de Roche sont-elles fiables ? Un coup d'œil sur l'histoire du groupe suffit pour découvrir qu'il a caché les effets indésirables de certains médicaments.
et que les accords sur les prix illégaux et la publicité mensongère sont des pratiques courantes chez lui. Dans son essai « Une médecine corrompue », le journaliste Hans Weiss passe en revue 12 pratiques illégales ou contraires à la déontologie des 10 dernières années. La FDA, l'organisme autorisant la commercialisation des médicaments sur le marché américain, a déjà blâmé Roche pour publicité mensongère sur le Tamiflu. Le groupe refuse de s'exprimer à ce sujet. Et le laboratoire GSK n'est pas en reste. Lui aussi a dû acquitter des amendes et des compensations de plusieurs millions alors qu'il était accusé de manipulation de prix frauduleuse et d'escroquerie aux États-Unis. Hans Weiss décrit tout cela ainsi que d'autres délits de l'entreprise, notamment la dissimulation d'effets secondaires et des accusations de corruption et d'association de malfaiteurs. Interrogé à ce propos, le groupe ne nie pas les accusations et promet solennellement des améliorations. L'Allemagne et la France ont toutes deux acheté des vaccins à GSK, mais les responsables refusent de s'exprimer sur les conditions financières. C'est un élément du contrat. Les contrats sont faits entre deux parties. Et ce contrat disait que son contenu devait rester secret. Nous devons donc nous y tenir. Chaque État a négocié secrètement avec GSK et d'autres fabricants. Aucune transparence ici. Il est impossible de savoir quelles décisions ont été prises et comment. Un avantage pour l'industrie pharmaceutique. Les contribuables ignorent ce que l'on fait de leur argent, en France comme en Allemagne. En tant qu'Allemand, nous pourrions le déplorer un peu, mais c'est très clair. Le fabricant GSK a voulu appliquer les mêmes conditions à tous les pays. Bien sûr, nous aurions aimé bénéficier d'un petit traitement de faveur. Mais quand une société internationale dit que tous ses clients, tous les pays bénéficient des mêmes conditions, il faut le respecter. Et nous aussi, nous l'avons accepté. Accepter les conditions d'une entreprise pharmaceutique sans appel d'offres publiques et sans contrôle indépendant ? Pour moi, c'est une véritable aberration dans le domaine de la santé publique quand on sait l'importance qu'a notre système de santé pour nous tous. Ce genre de contrat doit être négocié et discuté publiquement, être soumis à des experts. Ce qui se passe actuellement n'est pas transparent. Et bien sûr, cela donne libre cours à la spéculation. Tout cela pourrait être déjoué en rendant ces accords publics. Mais ceux qui tirent les ficelles agissent dans l'ombre, en Allemagne comme en France. Au lieu de prendre les choses en main, le monde politique bat en retraite devant les intérêts économiques. Et il semble capituler face à l'influence des laboratoires. Si l'État n'a pas ses propres instruments pour faire la part de la vérité et du mensonge, il est livré en pâture à cette industrie. La vérité et le mensonge sont bien difficiles à départager en ce qui concerne cette pandémie. Les décisions politiques servent-elles les intérêts des citoyens ? Il y a lieu d'en douter. L'industrie pharmaceutique, en revanche, en a déjà bien profité. Et si, en fin de compte, les Européens rechignent à se faire vacciner parce qu'ils craignent davantage le vaccin que le virus, les stocks de vaccins inutilisés, mais payés, seraient alors donnés aux pays en développement. C'est ça aussi la générosité des pays industrialisés. Si vous avez encore des questions, connectez-vous au live blogging d'Arte, où vous pourrez dialoguer avec le docteur Marc Girard.